Bien le bonsoir. Aujourd'hui, bah on se retrouve, enfin on s'est déjà vu tout à l'heure en plus. On continue Tomb Raider Legend et théoriquement, si je joue bien, on le finit ce soir parce qu'il nous reste deux niveaux, enfin du coup plutôt un et demi, d'après mes calculs. Alors peut-être que je me suis trompé, mais ça devrait être bon. Et en plus la VOD là de tout à l'heure, elle sera déjà disponible demain matin normalement. Donc c'est plutôt cool, j'ai réussi à me mettre à jour. Et puis après, bien évidemment, j'enchaînerai pas tout de suite avec l'autre, hein, petite pause, parce qu'il le faut, sinon ça tue. Et du coup, voilà, puis on va commencer sans plus attendre. Alors tac, je ferme ça, tac, et je change ma scène avant. Let's go! À tout moment aussi, je peux recevoir un petit appel. Voilà, je serai obligé de le prendre. Reprendre partie. Let's go. On l'a bien charbonné, ce jeu, putain. Mais il est super bien, en vrai. Hormis les trucs de vieillesse, les quelques bugs, les hitbox un peu mal faites. Bon sang, Lara. C'est fantastique. Regarde ça. C'est une sacrée découverte. J'adore à chaque fois quand il fait ses... Est-ce qu'elle peut le choper? Je n'aime pas du tout cet endroit. Bah vas-y. Ah, je vais devoir me rattraper sur la stalactite. Ou mythe. Non, je crois que c'est tite. C'est vers le haut, c'est tite. Je sais pas. Ne glisse pas. C'est bon. C'est pas par là? J'ai pas compris où fallait que j'aille là. Bon sang, Lara! C'est fantastique! Regarde ça! C'est une sacrée découverte! Je n'aime pas du tout cet endroit. Il faudra que j'aille sur les deux stalactites. Ne glisse pas. C'est bon. Oula. Oula, he's not very stable. Hein. C'est chaud, putain, les phases de jump. Hey. Je me demande si j'aurais pas foiré un saut là. C'est par là, sûr là? Ça me paraît chelou. Ah ouais, putain, c'est chaud là, les phases de jump là. Oh. Mais de toute façon, on les prendra pas tous, donc est-ce que c'est vraiment utile que je les prenne? Parce que le but c'est de les prendre d'un seul coup. I don't know. Par où ça pourrait être après? Coup de torche là pour mettre à mal vos écrans. Because I am sadique. Je vois pas par où faut aller hein. D'accord, j'ai pas tout compris. Ah putain, sérieux là, de là? Bon sang, Lara, c'est fantastique! Regarde ça! C'est une sacrée découverte! Je n'aime pas du tout cet endroit. C'est bon. Hop, on essaie de rusher un peu là. Hey, on
On a perdu assez de temps comme ça. C'est marrant, mon micro sature dès que je parle. Attends, je vais m'écouter vite fait. Pas du tout, il sature pas, mais je sais pas, t'as mon OBS, c'est peut-être parce que les il y a des fréquences, enfin j'ai une voix un peu grave, donc il y a des fréquences graves qui, je sais pas. Mais non, mais c'est vraiment trop risqué, là. Tout ira bien. Vite! Mais saute! Oh putain, hey, on était à deux doigts de crever à cause de ces connes. Mais vu que vous êtes ultra con, les gars, ça va être complexe. Hein. Merde, c'est pas vraiment. Je ne sens plus mes os. L'eau m'a fait masse dégâts, d'accord, c'est bon à savoir. Ça va aller. Ça va aller. Hop, j'ai vidé tout mon chargeur sur ce connard. Alors, hein, c'est bon. Pas ok. Hop, parfait. Et par là, je tirais. Je le chope, ça. Hop. Oh, attends, ton arme m'intéresse. Putain, mais... Oh là là. Hop, bingo, parfait, tout était prévu. Petit slide, attention. Pas très caché celui-là, mais c'est un bronze. Donc on s'en branle. Seulement je pouvais marcher sur l'eau. Je pense que j'ai fait de la merde. Hein. Je veux pas dire, mais je suis à la maison. Il a l'air de faire assez froid pour se transformer en Yeti. Super, Zip. C'est bon, c'est fini? Désolé. Il y a un truc qui me chiffonne par là-bas. Là. C'est quoi cet endroit? D'accord, c'est un... C'est un petit bout de merde. Putain, gueule. Merde! Ah, merde, 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 merde. Mais c'est pas possible, Lara! Mais là, mais qu'est-ce que tu branles? Ah la vache, je suis dans le mal, hein, putain. En espérant qu'il y ait un point de passage pas trop trop loin, là. Point de passage, parfait. Va te faire foutre, va te faire foutre. Ah bah vas-y, bute-moi si t'as envie, hein. Heureusement qu'il n'était pas là la dernière fois.
Peut-être un coup de grenade. It was not that. Ok. D'accord. Très bien. Bon, moi maintenant je suis full life. Bouge pas, salaud, salaud. Heureusement qu'il n'était pas là la dernière fois. Attends, c'est tellement pas rassurant tous les bruits que j'entends là. Les petits... Est-ce que je peux tenter le jump? Non, je vais pas le tenter. Hein. Je peux me le tenter, on va passer par l'autre côté. Ça sera plus sûr. Putain, ces effets de lumière là, par contre, enfin ces bugs de lumière plutôt. Aïe aïe aïe. Oh pardon. Putain, mais non, mais ça a mis la pression le truc qui tremble là, casse les couilles. Putain merde. Attention, un tigre sur le côté. Oh là, c'était inattendu. En plus, il est pile poil mis là où caché quoi. Oh là là, et il me nique plusieurs fois d'affilée, c'est incroyable. Hop, ça c'est baisé. Bon, du coup, je refais pas la même connerie, hein. Je vais passer directement par l'autre côté. Hop. Hop, 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 hop. Qu'est-ce que je suis supposé faire? Ça a l'air de se casser, ça. Mais pourquoi est-ce que je peux rien faire avec ça? Pourquoi je peux pas donner de coup de pied? Si je mets une petite greu. Alors là, je ne comprends plus tout. Oula, 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 pas de ça avec moi, connard. Très bien. Ah bah oui. Voilà pourquoi je peux passer par l'autre côté. C'est parce que c'est bloqué. On a vu que la neige est mal faite. C'est pas très grave. C'est un vieux jeu, c'est un vieux jeu. Ah mais il y a des bugs graphiques un peu chelous. Mais en vrai pour un jeu de 2006, putain, il est pas horrible. On pourrait même dire que c'est un remaster un peu quoi. D'un autre vieux jeu. Franchement c'est potable hein. Même encore aujourd'hui c'est vachement potable. Je fais comment? Imaginez, il y a un bug et il y a un truc que j'ai activé où il fallait pas. Je me sens bien emmerdé. Donc, petite soluce sur YouTube. Tac, oula. Pack n'est pas là. Putain, le mec il fait le niveau en 17 minutes. Incroyable. Quel génie. Ah ouais, putain, on est à la fin du niveau, ça veut dire?
C'est moi, je me suis... Bah tu fais de la merde, on peut le dire ça comme ça. Voilà, on peut le dire, clairement on peut le dire. Sans regarder mon écran. Je l'ai tenté comme ça. Non, surtout qu'en fait je voulais retourner au début parce que... J'avais gaspillé une grenade alors que la solution se trouve au début. Et ouais, je l'ai pris shot mon gars. Heureusement qu'il n'était pas là la dernière fois. Ça c'est un brain. Parce qu'en fait, pam. Et là, bah s'il te plaît. Et là ensuite, je retourne là-haut, paf, paf, paf. Et là, je vais par ici, puis paf. Et là, je tombe dans le vide et il y a un passage secret. Franquette, bien évidemment. Oh, c'est stylé là, en vrai. Toi, toi, je vais te viser, mon gars. Toi, t'es fini. Tu me niqueras pas la gueule comme ça. Tu prends des dégâts? Bah. Ces portes n'étaient pas fermées avant. Il va falloir que je trouve le moyen de les ouvrir. Moi, je pense qu'il faut faire tomber les deux. Ah, vas-y, je vais me la tenter à ma sauce. Mais prends la caisse, mais ne tape pas la caisse. Pourquoi elle peut pas prendre la caisse? Pourquoi elle la tape juste comme une gogole? Taper. Je sais. J'ai la solution. Pas... Écoutez-moi bien, pas du tout. Loin de là, j'ai la solution. Mais what? Mais connasse! Bon allez hop, vidéo, ça me saoule. J'aime pas du tout ce genre d'énigme, je trouve ça chiant. J'ai envie d'aller dans l'essentiel du jeu quoi. Mais en plus c'était exactement la solution que j'avais quoi. Putain mais... Eh vas-y, c'est juste que ça marche pas. Mais toi dégage là. C'est juste qu'il faut faire avec leur connard de grappin. Bam. Allez, tu casses pas les couilles. Ensuite je prends cette caisse là. Et vu que je suis plus lourde que la petite boîte, bah...
Je fais de la merde. I do the shit. The world is mine. Ah, pardon, pas les droits. Tenter un truc, mais je suis pas sûr de moi, mais alors pas du tout. C'est une vanne. Merci. Parce qu'attendez. Mais il va te faire foutre. Bam. Non ! Putain ! Je crois que c'est le meilleur fail. Je crois que j'ai jamais fait des fails aussi énormes que ça en jouant en jeu vidéo. C'est incroyable. Petite futée. Alors merde, j'ai oublié l'ordre. D'accord, donc d'abord je remets la petite caisse. Bam, ensuite je monte là-haut. Et vu que je suis plus lourd, paf, ici, hop, ça je le prends avec mon grappin. Hop, tac, tac, tac. Ensuite ça, paf, ici. Ça, merde, non, ça tu dégages. Ça ensuite, je le prends avec mon grappin, mais haut la main. Ensuite je remonte, et cette fois-ci je ne refais pas la même connerie, bordel. Et je vais me mettre bien ici, voilà. Chaque objet a une fonction symbolique. Si seulement le monde extérieur était pareil. Oh, la barbe. Bon, une chose à la fois. Point de passage. Hey, comment t'as su que c'était là? Un instant, s'il te plaît. Je parie que l'épée, le méchant va la prendre et on va devoir le combattre. Peut-être pas à ce niveau-là, mais à celui d'après, c'est sûr. On va se faire niquer, là. Excalibur, enfin. Il est brisé, mais peut-être. Eh ben, si c'est tout ce que ça fait, c'était une sacrée perte de temps. Bon, je suppose qu'il faut que je trouve un moyen de sortir de ce monastère. Et si tu brandissais Excalibur juste une fois, pour voir? C'est un objet inestimable, pas un jouet. Je disais ça comme ça.
Maintenant, nous savons comment Arthur est devenu. Cours, Lara ! Run, pony, pony, run, run. Comme le célèbre artiste, like a shit ! Shame break like a diamond ! Ok, j'ai lui raté. Ouais, j'ai paniqué, hein. J'ai paniqué. Ça, je sais. Maintenant, nous savons comment Arthur est devenu roi. Hein. On dirait qu'elle marche sur la pointe des pieds. Genre, pourquoi ils ont mis cette animation? On n'en avait pas d'autre. Oh la vache. T'as terminé. Après, on verra. T'as terminé là. T'as terminé. C'est... It's finished. Sérieux, pas de boss de fin? Oh merci. Enfin un niveau sans putain de boss de fin. Ça fait du bien. Mais ça veut dire que celui d'après, on va beaucoup en chier. Hein. Parce que celui qu'on n'a pas eu là, eh ben on va l'avoir après, au niveau d'après, plus celui qu'on doit avoir au niveau d'après. Donc ça va être un x2. Ou alors ça va être le même boss, mais puissance 15 milliards. Félicitations, vous avez débloqué des objets secrets. Consultez le menu extra pour découvrir les bonus suivants. Cinématique, biographie, conception, sélection d'une tenue, modèle d'objet, amélioration du pistolet. Amélioration du pistolet, on ne l'avait pas avant. Et depuis le dernier niveau qu'on a fait, on l'a. Vous avez débloqué une nouvelle tenue pour l'essayer. Allez dans la chambre du manoir des Croft ou sélectionnez chargé niveau depuis le menu principal. Trésor d'or, non. Trésor d'argent, 1 sur 6. Trésor de bronze, 2 sur 9. On en a loupé pas mal. Contre la montre, non. 38 minutes 36. Retour en Bolivie. Continuez. Pour savoir quel est le véritable pouvoir de ces reliques. Il va falloir que je reste concentré. Pas de blagues, les garçons. Bonne chance. Pierre et moi. Stop! Je ne tiens pas à te faire mal, mais je n'hésiterai pas si tu t'approches encore. Tu es là! Tu es là? Vraiment? Avec mon épée du turfu, tu crois avoir la moindre chance? Ah yatadadadada. Tu penses avoir la moindre chance? Moi. Bam. Dommage collatéraux. Oh, ça veut me tirer dessus à la mitraillette. C'est pas très catholique ça. Wow, bam. James. Amanda. Oh non. Dieu. James. Oh non, James. Déjà. Vraiment. Oh merde, j'ai pas fait exprès avec l'épée. Qu'est-ce que tu fais? Ne touche pas à ça. Je suis venu pour ça. C'est inutile. On peut partager. Ça ne marche qu'une fois. Et la place sera pour moi seule. Non, pas de boss, on avait dit, putain. Eh, non mais c'est relou. Hein. On l'a déjà vaincu une fois en plus. Bah laisse tomber, le temps qu'on comprenne sa mécanique, on sera mort. Ah vas-y, panko. Hein. Vas-y, je suis censé faire fun. Vas-y, je suis censé l'avoir comment là? Eh, ça me paraît un peu trop simple à mon goût. Ça va péter, ça va péter. Il va faire un truc de la mort qui tue. Ah putain, il régène ses PV, mais quel connard. Faut que je bute les tours. Non. Bah c'est quoi le bail alors?
Bah, mais Lara! Mais fais pas une chose pareille. Pause. Déjà, on va sauvegarder. Voilà. Parce que moi, j'aime beaucoup les sauvegardes ponctuelles. Hop. Et j'aimerais bien comprendre la mécanique du boss. La mécanique du boss, boss. Mécanique du boss, boss, boss. D'accord, je comprends ça, je comprends un peu, je crois. C'est pas de ma faute les bruits chelous. D'accord, je commence à comprendre un peu la mécanique du boss. Oh là là. Mais putain! Ça par contre, ça va pas être possible bien longtemps. Je crois que c'est peut-être le boss, l'un des boss les plus simples, bordel. Et pourtant, c'est le final, hein. C'est très rare. Oh, les sons qui saturent de bâtard là, ça. Quoi? Comment je l'empêche de régénérer sa vie? J'ai rien compris là. J'ai fait exactement comme le gars a fait, il a tapé, ça a relevé le boss. Peut-être que c'était de la luck. Je n'en sais rien, je vais regarder. Comment il l'a à l'usure? Par contre, les sons qui saturent, c'est horrible, ça. Mais parfois, ils régènent. Pourquoi ils régènent? Je comprends pas. Comment on fait pour pas qu'ils se régènent? Il va le taper, je comprends pas. Alors là, je comprends rien. Par contre, moi, je vais baisser le son du jeu parce qu'il casse les couilles. Faut esquiver de ouf. Ah putain. En fait, c'est soit je me prends des dégâts, soit lui il s'en prend quoi, mais ça peut pas être les deux. Ah ouais, là je m'en prends un peu trop.
Oh putain, je vais tomber. Non. Yes. Ça commence bien, mais j'ai compris, ok. D'accord, yes, ça commence bien aussi. Je suis fan. Prends-toi ça dans la gueule. Eh, bouge Lara. Bouge tes mains, hein, par contre. Allez, il esquive ce salaud. Ouais, esquive, connard. T'as peur, hein? Connasse plutôt, si c'est une meuf. Ah, tu m'as quand même eu. Bien joué. Mais bouge, Lara! Alors, ça, c'est incroyable, par contre. Quand je fais la touche chaud, plus les touches de direction et que ça bouge pas, ça me. Quoi? Il a régène tout ça? Non mais par contre, ok, j'ai parlé trop vite quand je disais qu'il était facile. Oh merde, j'ai parlé tellement vite. Mais c'est le boss final. Donc ça paraît logique, hein. Ouais, faut le spammer, quoi. Faut que je regarde plus ma vie, en vrai. Il a tout régène. Non. Ça, c'est non. Putain, j'ai sauté, hein. Ah bah ouais, lui pour esquiver, il y a du monde, hein. Mais bon, moi mal. S'il régène toute sa vie, je pète un câble. Putain, mais connard! J'esquisse du mieux que je peux, mais là, franchement, là, c'est quoi, ça? J'ai plus de soins. C'est terminé, hein. Il régène tout? Ouais, non, mais c'est mort. Allez, c'est mort, je l'aurais pas. Je sais pas comment on doit faire, mais il y a un problème de hitbox ou je sais pas quoi, mais. C'est terminé là, ouais, c'est terminé. Ouais. Il doit y avoir un problème de hitbox ou je sais pas ce qu'il y a, mais je le tape comme sur la vidéo du gars et je sais pas, ça borne rien. Ça m'énerve un peu, mais bon. Moi, je continue à avoir l'espoir qu'il y a des trucs pour tricher sur ce genre de jeu et voilà. Parfois je le spam, ça fait pas de dégâts. Faut arrêter un moment les conneries. Hein. Allez. On va la voir. Oulé. D'accord. Ah bah je prends cher. Hein.
putain, mais va te faire foutre. Donnez-moi des soins au moins, putain. Lui, il peut se régénérer, pas moi. Mais va te faire enculer, franchement. Il a tout régène, mais il va te faire foutre. Franchement. Il a tout régène. Je l'avais empêché de régène la première fois et la deuxième fois je peux pas. Je comprends pas la mécanique. Ou y a pas de mécanique, hein. Allez, autant. Allez, je préfère sauter de moi-même que plutôt de me faire niquer par cette connard. Allez, va te faire foutre. Putain, franchement, c'est quoi ça? Le boss, il peut régène tous ses points de vie à tout moment. Mais il va te faire enculer, franchement. Non mais il y a un truc que j'ai pas vu sur la vidéo, un truc qui m'a échappé, j'en sais rien, mais c'est pas possible. Fais voir, donc à un moment il tombe. Ok, là, hop, ça s'enlève. Donc là il est à terre. Mais oui, le gars donne des coups d'épée et ça le relève direct. Je pense que c'est ça, hein, et du coup, ça interrompt la régénération. Moi, je donne des coups d'épée, je vais me faire enculer. Ah, je peux déjà aller me refaire enculer, je pense, ouais. Allez, salut les gars. Non mais sérieux ça, connard. Putain Lara, quand je dis de sauter, saute en vrai. Ça c'est pas une question. Quand j'appuie sur la touche espace de mon clavier, il y a une action qui est codée avec, connard. D'accord. Là j'ai sauté. Voilà, bah là j'ai sauté, ça n'a pas marché. Hein. Voilà, le mec vraiment donne des coups d'épée. Et moi, ça fait rien. Pourquoi moi, ça fait rien? Sérieusement, c'est quoi ça? Bah oui, bien sûr qu'il va me niquer. Mais bien sûr qu'il me nique. Je peux pas me relever, j'ai pas le temps de me relever. Les inputs, elles sont à chier. Allez, tout va bien. On lâche pas quand même. C'est good jeu, c'est good jeu. C'est un boss de fin, c'est dur. Mais franchement, là. Non, par contre, en vrai, ce qui me met la haine, c'est qu'il se régène, quoi, ce fils de chien. Il a régène toute sa vie encore, ce connard. Il a régène toute sa vie. Et moi, bientôt, j'ai plus de soins. Bah, c'est bon, j'ai plus de soins. Putain. Attends, je l'ai touché bien plus de fois que ça, là, connard. Et le jeu se fout de ma gueule, franchement. En fait, je peux pas faire des re-attaques. Dès que j'en fais, ça lui fait pas de dégâts. C'est pour ça que c'est impossible. Moi, j'en sais rien, hein. J'ai peut-être pas toutes les inputs, mais... Franchement, là, ça casse couille. Voilà, donc là, tu allais me faire enculer, je parie. Franchement, là, je t'ai touché. Eh, franchement, ça me casse les couilles. Je vais être honnête, ça me les brise de ouf. Ça va être infini. Comment je suis censé faire là? Sur la vidéo du gars, le boss se relève. Il va régénérer toute sa vie.
Ce connard a régène toute sa vie. Putain de merde, j'en ai ras le cul là. Mais bien sûr que oui, tu me déglingues, mais... Putain... Quoi ? Je vais regarder une autre vidéo. Hein. Je vais très clairement, on va regarder une autre vidéo. Peut-être que lui, je sais pas, il y a un truc. Peut-être qu'il joue pas la même version du jeu que moi. Peut-être qu'il joue même à un autre jeu. Depuis le début et que ça se ressemble de ouf. Quoi. Voilà. Putain, bien évidemment, la pub. Il est ultra dur. Hein. Putain, j'en ai vu des connards de boss, mais comme celui-là. Bon, on a fait pire en vrai, ça va. On a fait pire. Ouais, parfois même sur lui, il esquive. Genre vraiment, le coup va vers lui, et puis je sais pas, ça le traverse, je sais pas ce que ça branle. Je sais pas, il y a un truc, hein. Ça se voit que dans le jeu, il y a clairement du favoritisme pour le boss. Ou c'est peut-être parce qu'on est en mouvement, je sais pas, quand on tire. Ouais, peut-être aussi, il y a ça. Bon, si t'es pas en mouvement, tu te fais niquer par le boss. Il y a un truc qui doit m'échapper là. Le mec vient de faire la même chose. Le mec a vraiment donné un coup, il s'est relevé. Potentiellement sauvegarde encore corrompu, mais ça me ferait chier là. À la fin du jeu, là, c'est casse-couille. Hein. Mais putain, vise-le là. Hein. Ouais, bah bien sûr qu'il esquive ce connard. Là il esquive, voilà, bah là oui, là il peut esquiver. Putain de merde. Mais c'est quoi la touche? Y'a une touche? Y'a une touche, je suis pas au courant? Putain! Il a régène toute sa vie là. Bah oui. Non mais allez, on peut déjà quitter quoi. Bon, attendez. Y a pas de touche spécifique, c'est bâche, c'est de la merde. Sincèrement, je sais pas. Merde. Et là, par contre, je l'ai touché bien plus de fois que ça, bande de connards. Là, j'en suis sûr. Un petit coup dans un mandat. Ah, elle est buggée, on dirait. Elle est buggée.
Elle est buggée ? Non, mais non, mais ça, c'est quoi ça encore ? Putain. Bon, je vais chercher sur internet, hein. Et puis sinon, pire, je prends une sauvegarde après le boss, je sais pas. Bah non, parce qu'après le boss, y'a rien. Mais oui, connard. Y'a un truc qui est pas possible, hein. Boss. Tomb Raider. Legend. Y'a un truc qui va pas, hein. Final boss. Boss Tomb Raider Legend. Amanda. Il faut se servir de la touche interagir. Ah! De la touche interagir. Ça, c'est intéressant comme détail. Un détail que je n'avais pas. Donc là, ouais, là, ça m'aide. C'est quoi déjà ma touche interagir? C'est E, non? Ou F? Je sais plus. Option. Commande. Interagir. C'est E. Putain. Bah ouais, mais connard, moi je peux pas savoir que c'est la touche interagir. Hein. Ouh, ok. Allez, on repart. Eh putain, là je les nique. Bien joué, ça. Là ça m'aide putain, mais pourquoi est-ce que personne ne l'a dit avant? J'ai regardé deux vidéos, les mecs ils le disent pas. Ok, vite. Vite, 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 touche E, touche E, touche E. La touche E. Merde, j'ai pas eu le temps. Non, non, pas ça, c'est pas cool. Allez, l'esquive pour l'instant, donc ça sert à rien. Oh la vache, j'étais agrippé au truc. Et puis en plus, il y a un putain de délai quand je clique. C'est très dur, hein, putain. Ouais, il faut toujours que je sois proche du boss en vrai. Merde, oh, j'aurais pas le temps, j'aurais pas le temps. Putain de fais chier. Ah, fais chier, non. Ah, puis il régène tout le connard. Ah non, ça va. Pas tout. Si j'arrive à le glitcher avant. What? Ah, les petits bugs comme ça, ça me plaît pas trop. Faut pas que je crève. Faut pas que je crève. Eh, je l'ai niqué là, je l'ai niqué. Enfin, mais fallait me dire cette touche, je l'aurais niqué depuis bien longtemps.
tu ne retires pas l'épée. Oh non. Pendant toutes ces années, je m'en suis voulu. Mais c'était toi! C'est toi qui l'as tuée! Tuée? Elle n'est pas morte! Elle est là où j'aurais dû aller! Là où tu pourrais être! Explique-toi tout de suite, Amanda! Ou je te jure que je t'exécute sur place! Je t'ai dit de prendre l'épée! Je te l'ai dit! Où est ma mère? En Avalon! Ce n'est pas un mythe! Tu ne comprends pas? Tu ne comprendras jamais. Je perds mon temps. Tu ne perds rien. Le temps qu'il te reste dépend de moi. Lara. Longtemps, mon père a cru que Mère était en vie. C'était son seul espoir. Il me faisait tellement pitié. Alistair, tu passes pour le British Museum. Appelle-moi quand il y est. Et couvre-toi, ça risque d'être long. J'y vais. Zip, appelle Eddington au Cavendish Laboratory. Prends rendez-vous. Compris. Et je dis quoi ? Dis-lui que mon père avait raison sur toute la ligne. Et qu'il est peut-être encore temps de faire vivre une légende. Ça y est, c'est terminé Tomb Raider Legend, enfin. Enfin, c'était vachement court en fait comme jeu, on l'a fait en 5 streams. Exactement, on l'a fait en 5 streams. Bah du coup, je m'arrêtais là pour ce soir, il est 23h, voilà, il est 23h. C'est pas très grave, c'est pas la durée qui compte, comme j'avais déjà dit. C'était un super jeu, hormis quelques gros bugs, parce que c'est un vieux jeu... etc. C'est calmement de rage. Je ne savais pas qu'il fallait utiliser la touche E pour interagir. Et en fait, les deux vidéos que j'ai regardées, les mecs le disent pas. Heureusement qu'il y a des super forums sur internet. Mais quand même. Mais c'était un super jeu. Et je le conseille fortement. Je le conseille vraiment haut la main. Faut juste faire attention au boss qui est dans l'eau. À ne pas toucher au truc. Mais en plus, tout ce patch. En plus, il y a des sauvegardes sur internet si jamais. Mais d'abord, vaut mieux faire l'histoire quand même. Au moins une fois. Mais si jamais vous perdez les saves et tout, c'est super. Je parie que si on cherche un peu, il y a des modes graphiques pour ce jeu. Il y a plein de trucs graphiques. Moi, j'ai voulu laisser au naturel parce qu'en plus, généralement, les modes graphiques, ça, déjà que le jeu, parfois, il plantait tout seul. J'avais pas envie d'en rajouter, de niquer mon jeu. Et j'avais envie, voilà, c'était de le faire au naturel, tranquillement. Et puis en plus, généralement, les modes graphiques sont pas très bien optimisés. Donc, bon, voilà. Et bah c'était super cool, franchement, on est quel jour? On est mardi? On l'a fini mardi? Bah on l'avait commencé quand? On l'avait commencé jeudi. Ouais, on l'avait commencé jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Pas lundi du coup. Aujourd'hui. 5 streams et demi, puisqu'aujourd'hui on en a fait 2. Donc on l'a fini, oui, en 5 jours, allez, en 5 jours. Donc c'est un jeu qui se finit en 5 jours, si on y joue assez longtemps, hein, environ 2h, 3h. Bon là on y a joué 1h et tout à l'heure 50 minutes. Et puis si c'est pour le rocher aussi. Si jamais vous voulez faire les trucs chronomètres, que vous voulez faire avoir toutes les récompenses et tout. Ce que je trouve un peu... Franchement, c'est pas utile d'avoir ces récompenses là. Moi j'ai préféré rocher le jeu, je les prenais quand j'en voyais, mais tant pis. Franchement, et quand je vois que parfois il y en avait 9 et que j'en avais récupéré que 2 sur les 9, laisse tomber. Hein. En plus, parfois il y a des niveaux où il faut rusher. Et du coup, bah. Kaylee Owells. Ouais, mais je sais pas si c'est les mêmes doubleurs VF. Je sais pas si là ils montrent les doubleurs VF. Mais en tout cas, le jeu était génial. Franchement, c'était
une belle pipite, je le regrette pas, j'avais un peu peur au début parce que c'est un vieux jeu, j'avais peur qu'il y ait ce genre de bug. Et dès qu'il y avait un truc qui allait pas, j'étais en mode oh, non, c'est corrompu. Parce que franchement, je vois beaucoup de commentaires Steam souvent sur les vieux jeux qui font où les mecs disent chez moi ça marche pas, c'est moi ça marche pas, non, c'est relou. Du coup, j'étais en mode non, pitié, j'ai pris le risque, please. Et je regrette pas du tout. Si on oublie les quelques bugs graphiques, les quelques bugs de hitbox, les quelques bugs aussi de script, les quelques plantages aussi, etc. Et bah franchement, c'était un super jeu. Hop. C'était franchement un super jeu. J'attends la fin des crédits. Voilà, j'aime bien mettre les crédits. En plus, généralement, les musiques sont cool. Puis ça fait un petit moment de répit là, après le boss qu'on vient de se taper là. Ah, avec des petites musiques tranquilles là. Puis de toute façon, on en a pas fini avec Tomb Raider. On a le. Franchement, on en a chié. Hein. Mais je suis content. Donc voilà. Donc sinon, ouais, je le conseille fortement. Bon, après, il est à 8 euros. Franchement, 8 euros, je trouve ça un petit peu cher. Surtout pour les bugs qu'il y a. Et pour l'annexer. Donc, non, je sais même pas. Je crois que c'était... Non. Donc, je le conseille plutôt en réduction. Dès qu'il est en réduction, genre solde de Noël qui devrait pas tarder à arriver, du coup. Ouais, au solde de Noël, ouais, c'est le jeu à acheter. Il est bien et franchement, il est pas très gourmand. Même des PC pas bien gourmands pourront faire tourner. Alors attention, après je parle pas du petit PC avec un Pentium, Intel Pentium ou juste un i3 avec une carte graphique venant du Proco. Non. Oula, changement de musique un peu radical. Mais enfin voilà. Tac. J'ai hâte de faire le prochain Tomb Raider qui est le Tomb Raider Underworld. Il est beaucoup plus long apparemment que celui-ci, j'espère quand même. C'est vrai que celui-là est très très court quand même, on l'a fait en 5 streams mais je veux dire, je sais pas. Ouais, il est extrêmement court, genre il y a 8 niveaux. C'est très peu, 8 niveaux. Après ils sont bien riches, ils sont bien denses, il y a moyen de galérer dessus pendant longtemps. Hein. Et ils sont bien casse-tête, hein. Franchement. 8 niveaux pour 8 heures de jeu. Entre 7 et 8 heures, les développeurs avaient dit. Nous, on y a passé je sais pas combien de temps. Aujourd'hui, on y a passé 2 heures. Avant-hier, 2 heures aussi. 4 heures déjà. Encore avant-hier, 3 heures. Donc 4 heures, 5 heures, 6 heures. 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures. Ouais, on y a passé quasiment 10 heures. Quasiment 10 heures de jeu. En vrai, ça va. La durée, ça va. Mais après, vu. Vu du dessus, ouais, ça fait court. Hein. Aïe, aïe, aïe. Tac. J'ai fini mon jeu. Mais enfin, voilà. J'attends la fin des crédits. Et après, on pourra s'arrêter là. Et demain, ouais, peut-être que demain, je ferai une petite pause en vrai, hein. J'avais fait l'erreur d'enchaîner avec les Batman et parfois, même si je sais que demain, peut-être que j'aurais envie d'y jouer, de ouf, mais je trouve que c'est mieux de repartir, voilà, entre guillemets, sur de nouvelles bases. Et vu qu'il est de 2008, normalement, je crois qu'il est plus gros, plus beau graphiquement parlant, du coup. Et puis, j'espère qu'il y aura moins de bugs et qu'il ne sera pas buggé de ouf. On verra, hein. De toute façon, on verra. Je pense que je vais le télécharger aujourd'hui et le paramétrer aujourd'hui. Donc voilà. Oula, ça recommence depuis le début. Non, merci. Félicitations, vous avez débloqué des objets secrets. Consultez le menu extra pour découvrir les objets venus suivants. Spécial, cinématique, biographie conception, sélection d'une tenue, modèle d'objet, amélioration pistolet.
On a spécial qui est en plus. Hein. Jeu terminé. Oh, ce jeu terminé, il est incroyable. Je suis pas beaucoup baladé dans le manoir Croft, tiens. Du coup, on a pas mal de tenues débloquées. Salut Lara. Bonjour Zip. Les ordinateurs du cathodique, ça par contre ça me tue. On est à la... On est à la pointe de la technologie ici, nous. Plus aujourd'hui, mon gars. Plus aujourd'hui. Ça fait quoi si je le pousse dans le feu? Ok, on peut pas. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup exploré ce manoir. Bon, on va le faire maintenant, on n'a rien à perdre. Il n'y a rien ici, d'accord. Petit raccourci, hein. Non, c'est pas par là, je crois que c'est par là, non? C'est pas par là, ok. Alors c'est un manoir qui comme ça fait très grand, mais en vrai il y a très peu de pièces à explorer. Hein. Ah, peut-être celle-là, non? Ouais, elle a une poignée celle-là. Waouh! Franchement, Kali, mon gars. Pas ce que je voulais faire. Ah ouais, le truc pour d'expédition. Moi, oh, d'accord, ouais, c'est charmé. D'accord, bah, c'est très luxueux, très beau, très joli. Personnellement, j'ai jamais vu les films Tomb Raider, mais ça m'intéresse, hein, surtout depuis que j'ai joué à l'autre opus là, de 2013. J'ai voulu regarder, mais j'ai pas eu le temps encore. Bah ouais, faudrait. En plus, là, je suis en train de me faire une série en ce moment, donc je sais pas, je peux pas trop. Mais ouais, faudrait que je les regarde ces films. Hein. Après, est-ce qu'ils sont aussi bien que les jeux vidéo? Je sais pas. C'est les risques à prendre, hein. Écoute. En plus, je vais pas tous les regarder, hein, mais. Au moins m'en taper un pour voir un peu ce que ça donne. T'as l'intention de sortir un de ces jours? Alors qu'il y a tant d'endroits obscurs et intéressants ici? Non. Et il parle trop mal alors qu'il est chez nous. C'est des petits trucs comme ça à récupérer. Oula, 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 oula. Un livre avec une autre texture, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi ça? Je peux pas interagir avec? Ah, ok, c'était un bait sûrement. Allez, salut. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de trouver notre chambre pour voir un peu toutes les tenues qu'on a débloquées. Il y a plein de trucs qui brillent. Alors, je peux pas utiliser le grappin. Je peux rien utiliser, en fait. Là, il y a une pièce qu'on n'avait pas vue. Attends, elle a un super manoir. Elle a pas de piscine. Attends, c'est quoi ça encore? Est-ce que c'est une connerie? Ouais, mais c'est des pièces géantes pour rien, quoi. Ah, bah là, voilà, la piscine. On va faire un petit plongeon après. Point de passage. Oh, attention, il va y avoir un boss. Hop. Ah putain, notre chambre elle est par là, voilà.
Eh bah là voilà notre petite chambre. Avec la chelifi, recto verso, hein, ça a été... Ça n'a pas été homologué encore, donc si jamais vous voulez prendre. On a encore plein de tenues qui sont bloquées, je comprends pas. Univers en veste. Propre de soirée. Elle a toujours des... Ça me fait trop rire ces trucs pour porter ses flingues. Bon, bon franchement, ce qui m'a tué, c'est la chenille recto verso, ouais. Franchement, là, il y a un truc en vrai. Pas du tout. Je sais pas, je pensais qu'il y avait un truc, mais non. On peut voir par cette magnifique fenêtre. Rien du tout. Mon niveau préféré d'ailleurs. Bah je pense que mon niveau préféré justement c'est celle avec cette tenue. On est au Japon. L'un de mes niveaux préf. Parce que on, déjà la ville est super bien faite. On est en extérieur et tout. C'est incroyable. Ouf. Mais génial, se noyer dans sa propre piscine. En vrai, ça me ferait à la fois rire et ce serait à la fois triste. Ah, il y a que c'est chaud. Mais ouais, je crois que c'est l'un des niveaux c'est l'un de mes niveaux préférés. D'accord, alors, on peut pas rentrer là-dedans. Bon, d'accord, bah je pense qu'on a fait le tour du manoir. Ah non, il y a encore des pièces là-haut. Pas une chance d'y accéder. Ouais. J'en sais rien, c'est pas grave. C'est pas le plus important. Bon. Sauvegarder bonus. J'ai plus besoin de cette sauvegarde là. Charger, Angleterre. Terminé à 87%. Parfait! Ah, et là, on peut choisir sa tenue. D'accord, je comprends mieux. T'as moyen un truc qui me ferait tellement galerie. Ah, on peut pas faire échappe, ça c'est cool. Non, mais eh oh, tenue. C'est celle-là qui me ferait. Franchement, celle-là me fait trop rire. Avec la neige et tout au froid. Alistair, je suis dans la base. Vas-y. J'avais raison. C'est un vieux projet soviétique des années. On n'a pas de parachute. Je regarderai bien encore un peu, mais vas-y. Saute quand tu es prêt. Maintenant, Lara. Bon, de toute façon, j'ai pas envie de le refaire. Hein. Oui, toute production, c'est pas grave. C'est pas grave, tu sais. Terminé à 87%. Parfait. Bah, c'était quelque chose. Hein. Je vais l'effacer. Du coup, je vais le supprimer. C'est un de le garder. Hein. Je ne pense pas que j'y rejouerai. Et peut-être que demain, je vais faire des machines virtuelles. Une machine virtuelle surtout pour... Il y a un OS qui m'intéresse de ouf qui s'appelle Kali Linux. Et j'aimerais bien le mettre sur mon PC portable. Et j'aimerais bien qu'on le découvre ensemble parce que je ne connais pas du tout cet OS. Et qu'on l'installe ensemble et qu'on le découvre ensemble, ça pourrait m'intéresser de ouf. Je suis en train de regarder un peu quel est Linux, si c'est bien ou pas. Et si c'est bien, je le mettrai sur mon PC portable. Parce que mon PC portable, il a une 820M, un vieux HDD de 1 Tera, un i3. Donc Windows 10, c'est bien, mais bon, ça commence à être compliqué. Donc voilà. Donc on verra ça plus tard. Je m'occupe de mes bails là. Eh bien, on va s'arrêter là. C'était en tout cas super cool de faire ce petit jeu. On l'a fini et j'en suis bien content.
on se retrouve du coup demain, ou peut-être que je vais faire une pause, mais ça m'étonnerait. Mais du coup, on se retrouve demain pour un nouveau stream. En attendant, prenez bien soin de vous. Et puis à la prochaine. Passez une bonne soirée, une bonne nuit, et surtout un bon mercredi. Salut!